Bonjour tout le monde, ici Manic Cassis, game-focus.com et bienvenue à un nouveau Top Chrono. Aujourd'hui, on va aller jouer en vedette Swan, ou S-W-A-N Chernobyl Unexplored. C'est un jeu qui est disponible sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. C'est un jeu développé par Wolfram et édité par Hard Game Studio S.A. C'est un jeu d'horreur et de casse-tête. Vous allez devoir résoudre des puzzles afin de progresser dans l'univers du jeu. Dans le fond, l'action se prend part dans un genre de vieux plan de nucléaire, une vieille usine nucléaire. Aussi, il y a des trucs que vous allez avoir pour progresser là-dedans. Faites une expédition, vous allez rechercher des trucs là-dedans et trouver des trucs que vous voulez pas voir. C'est un jeu qui mise sur le scary jump, là, les sauts, les apparitions aux dernières minutes, les trucs de même, vous allez avoir la chair de poule. Surtout si vous jouez dans le noir et avec des écouteurs, c'est un jeu qui pour une quinzaine de dollars, ça vaut la peine. Vous allez faire le saut en masse. Oui, on progresse très lentement en découvrant les différentes zones. On va chercher, des fois on sait pas quoi faire, on va progresser. Des fois, on suit les indications, on meurt et on se retrouve pris dans nos pièges dans des endroits. Bref, c'est un jeu vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est un jeu qui est quand même réussi pour honnêtement, c'est bien fait. Visuellement, on a l'impression de voir un vieux jeu. C'est peut-être le début de la Xbox One, mais ou de la PS4. Mais ça reste quand même un jeu intéressant à essayer, si surtout vous aimez les genres de puzzles d'horreur. Et comme vous dites, ça avance tranquillement. Là, on progresse tranquillement. On va rentrer dans une zone, on va lire des textes en masse, on va écouter des tapes, des cassettes en masse aussi. Et on va progresser au fur et à mesure dans l'endroit en trouvant la réponse aux casse-têtes qui sont mis devant nous. Fait que oui, c'est intéressant de jouer ce jeu-là. Oui, j'ai bien eu beaucoup de plaisir à faire ça. La prise en main est quand même simple, il n'y a pas beaucoup de touches à faire. Comme vous dites, c'est un jeu lent, fait qu'on avance tranquillement à notre rythme. Oui, on va pouvoir courir, des fois on va avoir la peur dans notre vie, des fois on va voir la chienne si on veut. Mais ça reste une belle découverte si vous voulez un petit jeu d'horreur qui va faire peur sur Xbox, sur PC. Je vous conseille Swan Chernobyl Unexplored pour une quinzaine de dollars. Je crois sur Xbox, il vend 13,49. Fait que mettons, ça vaut le coup. C'était notre top chrono et on vous invite à nous suivre sur GameFocus.com et GameFocus TV. Bye bye!